Nous serons accueillis tout d'abord aux éditions d'art Jean de Bonneau. Ces collections font le bonheur des bibliophiles et des amateurs d'ouvrages parfois très anciens, réédités dans les règles de l'art. Puis, nous irons à la Stipa, imprimerie au cœur des métiers du livre. Sur 10 000 mètres carrés, elle propose l'intégralité des services de la chaîne graphique, de la création à la production, de la conception à la diffusion. Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre maison d'édition, l'édition Jean de Bonneau. Et vous êtes ici dans un hôtel particulier du Marais qui s'appelle l'hôtel Dora. Il a été construit en 1661 par un conseiller du roi, du nom de Dora, et son descendant le plus connu est Claude-Joseph Dora, qui était un poète et qui écrivait des poèmes un peu libertins dans le goût des contes de La Fontaine. Et il a donné finalement le chemin à l'édition, puisque nous avons occupé cette maison depuis 1965 et nous avons ici notre imprimerie. Nous sommes éditeurs de livres d'art. Notre créneau d'édition, ce sont de faire des livres qu'un honnête homme, suivant le vocable du XVIIIe siècle, se devrait avoir dans sa bibliothèque. Nous faisons des souscriptions morales pour savoir ce qui plairait à nos clients de nous voir éditer, bien sûr parce qu'il nous faut un nombre suffisant d'éditions. Une fois que nos amis bibliophiles on choisit un titre, eh bien, nous faisons la mise en page, nous décidons du corps, du caractère. Notre papier est donc un papier chiffon, avec au moins 20% de coton, n'est-ce pas, dans la pâte à bois. Et ce qui est très important dans la qualité d'un papier, c'est son sonnant, son épaire, qui sont les nuages. Vous voyez qu'il n'est pas tout à fait uniforme comme un papier couché. Et puis, ces vergures qui sont là et qui montrent le vrai papier artisanal. Et en plus, notre filigrane qui apparaît ici, à deux canons d'empire avec les boulets de canon et la fleur de lys. Et chez Jean de Bonneau, les reliures sont faites de peaux de mouton. Les peaux sont achetées en brut à Londres et elles sont tannées au sud de la Montagne Noire en France. Vous voyez, vous avez ici la peau en brut. Nous l'appelons à ce stade-là en pied. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore les pieds du mouton, n'est-ce pas ? Et dans ces peaux en pied, nous coupons des formats à la grandeur de nos livres. Notre peau est la meilleure qualité du mouton. C'est ce qu'on appelle un cuir pleine fleur. Quelle que soit la grandeur future du livre, la feuille d'impression a toujours la même grandeur, qui est celle-ci, n'est-ce pas ? Et on imprime les pages tête-bêche de cette façon. Jean de Bonneau a deux formats de livres, des in octavo et des in quarto. In quarto, un grand format. Pourquoi ce vocable, qui est un vocable de bibliophile ? C'est
que le fait que la feuille d'impression est pliée en 8 fois de cette façon pour faire un cahier. Voilà. De cette façon. Et chez Jean de Bonneau, chaque cahier est cousu et tous les cahiers sont cousus entre eux. Vous voyez une étape de la fabrication. Ici, vous voyez un livre avec tous les cahiers, n'est-ce pas? Ils sont de cette façon. Et ensuite, on tient tous les cahiers par ce papier qui tient le bloc et deux pages de cette façon. Voilà le bloc. Une fois que le bloc est réalisé, eh bien, il faut le dorer. Et il est doré sur la tranche supérieure. C'est un autre métier, ce n'est pas le relieur qui dore. Lorsque nous avons un texte, il faut que nous trouvions une iconographie afférente. Alors, par exemple, ce sont les adieux de Marie-Antoinette et ses enfants avec Louis XVI avant qu'ils ne partent à l'échafaud. Voilà, ce sont des gravures sur cuivre. Ensuite, dans notre studio de dessin, nous retouchons ces gravures, nous les recadrons pour qu'elles puissent devenir bien, des gravures ou pleine page ou in texte. Et voilà, et vous avez un livre Jean de Bonneau. On ne s'enrichit pas dans notre métier, mais nous sommes tellement riches d'autres choses. Nous sommes riches de connaissances. Et la connaissance, c'est vraiment un bien que personne ne pourra vous prendre. Et j'encourage vraiment chaque ami bibliophile à collectionner ses compagnons de route qui ne les laisseront jamais, quoi qu'ils aient à vivre dans la vie. Laissons Madame de Vlieger von Lauer se pencher sur le sort de Marie-Antoinette. Allons sur les hauteurs de Montreuil pour y découvrir une autre facette de l'imprimerie, celle de la stipa. Bonjour, donc je m'appelle Laurent Deville, je suis le directeur général de la Stipa. C'est une affaire familiale qui au début a comporté une quinzaine de personnes. On a repris à peu près une douzaine d'entreprises au fil des 30 dernières années pour monter à un certain moment une entreprise de 600 personnes avec 4 sites de production. Depuis quelques années, on s'est recentré sur le site de Montreuil. On s'est spécialisé essentiellement dans la communication et on fait à peu près la moitié de notre chiffre d'affaires dans le domaine culturel. On a comme clients par exemple l'Opéra de Paris, le Châtelet, le Musée du Louvre, la Bibliothèque nationale de France. Et donc on fait plutôt des travaux essentiellement haut de gamme et beaucoup de livres d'art. Je me présente, Jean-Marc Coquerel, je suis directeur artistique dans le groupe HPG, à la Stipa entre autres. Et je suis donc chargé de toute la communication du groupe, hein, ainsi que l'élaboration graphique des différents produits qui nous sont confiés par notre clientèle. À la Stipa, on réunit presque tous les métiers de l'imprimerie, ce qui est assez exceptionnel, surtout en région parisienne. C'est-à-dire que nous, on part d'un manuscrit jusqu'au brochage. On s'est orienté dans le haut de gamme, dans l'imprimerie haut de gamme. C'est-à-dire les bouquins de luxe, les bouquins photos, les bouquins d'artistes, de peintres. Et ce qui fait notre notoriété aussi. Hein. Donc on travaille pour beaucoup d'éditeurs. Et donc nous, on est bien placés pour ça. On a le matériel pour faire ça. Et on a les compétences humaines pour faire ce métier aussi. Je m'appelle William Lautier, j'ai 38 ans et je suis chez Stipa le chef d'atelier, enfin, un des chefs d'atelier, on est plusieurs. Et je suis également la personne qui s'occupe de la partie qualité en interne. Là ici on se trouve dans une pièce qui est le début
de la chaîne graphique dans sa partie production. Les machines qui sont derrière moi ici sont des machines qui sont là pour graver les formes imprimantes. En offset, on utilise des formes imprimantes qui sont des plaques aluminium photosensibles. Et ces plaques aluminium, elles sont gravées sur ces deux machines-là ici. Ces plaques, une fois gravées, une fois produites ici sur ces machines, vont être données à l'atelier d'impression qui est juste à côté et vont servir à l'impression offset. L'impression offset, très rapidement, c'est l'addition d'encre et d'eau qui sont deux corps chimiquement opposés et qui vont nous permettre sur les plaques de séparer les blancs et les noirs et donc d'imprimer uniquement avec l'encre ce qu'on veut imprimer. Il y a différentes machines avec 4 groupes d'impression, il y a des machines avec 8 groupes d'impression. Les machines qui ont 4-5 groupes d'impression impriment d'abord le recto, puis ensuite on retourne le papier, on imprime le verso. Les machines qui ont 8 groupes d'impression permettent d'imprimer directement le recto, puis le verso d'un seul coup. Le choix des machines se fait en fonction de la quantité en fait. En impression offset telle qu'ici, on utilise essentiellement du papier et du carton. On n'imprime pas sur du plastique, on n'imprime pas sur du tissu. On imprime essentiellement sur de la matière papier. Dans une structure comme la Stipa, sur l'année passée par exemple, on a consommé 4000 tonnes de papier. Et ça c'est pour la petite partie recyclage écolo, on en a recyclé 600 tonnes. Une fois qu'on fait l'impression des cahiers, comme on vient d'en parler, on est ce qu'on appelle brut de tirage, c'est-à-dire qu'on a des feuilles à plat sur une palette. Bon, et cette feuille, ensuite, il faut les plier, il faut les couper, il faut leur donner la forme qu'ils vont avoir in fine, c'est-à-dire il faut leur donner cette forme de livre ou de magazine ou de dépliant. C'est vrai que depuis un certain temps, on est très attaqué par Internet. Le devenir de l'imprimerie, tout ce qui est, à mon avis, qualitatif et tout ce qui est livre d'art sont des choses qui vont, à mon avis, se développer. On a également dans notre groupe une société d'édition qui nous permet d'apporter, je dirais, une partie intellectuelle à notre métier et nous permet de nous tirer vers le haut. Un grand merci aux éditions Jean de Bonneau et à la Stipa qui nous font découvrir l'art d'imprimer. Et que cela vous donne encore plus l'envie de lire.